Et voilà, ça va être le dernier moment passé au Québec. On est chez mon frangin Jonathan, qui garde Suki depuis 4 ans maintenant, mon petit Suki. Et ça va être le moment de... On va manger, on s'est fait un petit barbecue là, on va manger, puis on va se diriger tout doucement vers l'aéroport. Hein, mon Suki? On n'imaginait pas que ça serait aussi dur. On a déjà pas mal chialé là depuis hier soir par rapport aux enfants, aux petits-enfants surtout. Puis avec Titi, il s'est passé tellement de moments incroyables que voilà, on a le cœur serré. On est déjà en train de prévoir de revenir. Et pour ça, ben, va falloir travailler. Alors, on est en train de discuter avec mon frangin, qui était mon partenaire d'affaires, qui est toujours mon partenaire d'affaires, pour savoir si on va revenir ici au Canada pour faire des événements en octobre et novembre. Ça nous ferait revenir en novembre et décembre, pardon. Ça nous ferait venir dans 3 mois. On va voir. J'ai toujours voulu vivre l'amour d'abord, ce que j'ai envie de partager, coûte que coûte. Alors vous imaginez bien que j'ai avec mon hypersensibilité, vous avez vu comment j'ai pu avoir du mal de me séparer de Jackson. Imaginez, c'est vraiment un autre, on est à un autre niveau là. Le level là, il est très très haut, très très high. Donc voilà, pour Sandrine ça va être très dur. Je peux vous dire que des fois on s'arrête à un feu et puis elle se met à pleurer, à sangloter. Ça fait 3-4 jours déjà que ça a commencé. Donc c'est pour ça que dans le bouddhisme, dans certaines pratiques comme cela, ils disent de faire attention, de ne pas aller trop trop haut dans le plaisir pour éviter le down. Et dans ces moments-là, on peut comprendre hein, cette philosophie. Néanmoins, on ne regrette rien, on a passé vraiment des moments fantastiques également avec nos frères et sœurs, nos amis, nos enfants bien sûr, mes abonnés adorables que j'ai pu visiter. Et voilà, il faut revenir à la réalité. Lundi, on arrive, on a du travail tout de suite. On a deux grosses émissions mardi et mercredi à monter et à préparer. Là, on vient de se rendre compte que c'est le long week-end, enfin c'est le week-end du 15 août. Donc ici on n'en parle pas du tout et je viens de m'en rendre compte. Donc j'espère juste que lundi ça sera le pont et qu'on va pouvoir circuler facilement pour monter le studio de l'émission de mardi. Enfin bref, voilà, j'avais envie de te faire un petit coucou parce que je sais que tu as suivi ce voyage. J'ai encore plein d'images hein, du Zoo Miller. Vous allez pouvoir voir le Zoo Miller avec les ours. Je vous ai fait des séquences spéciales avec les tigres également. Donc vous allez les voir très prochainement, mais attendez que je rentre à Tahiti et que je puisse prendre le temps de le faire. Le frangin vient de sortir. Ça veut dire qu'on va pouvoir manger. Voilà. C'est Joe, c'est de lui dont je vous parlais il y a quelques instants. Donc, je vous fais un gros bisou magique et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Multi Tasman. Regardez, 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 regardez ce petit bébé là. Regardez-moi ça. Allez. Prenez soin de vous tous. Nous, on monte dans l'avion et on est pour à peu près un voyage de 20 heures. Bye bye, à bientôt.